froid. La remérée. Papa, la remérée, si tu veux la marquer. À la remérée. Bah, la reine n'est pas marquée. Ouais. Non. Celle-là, ah non, ça a soulevé deux. Alors là, on a dit quoi? Ouais, c'est ça. On lui avait donné une cellule à J3. Putain, c'est une super charrière. C'est celle qu'on a achetée, tu sais, avec l'archive. Ouais. Ouais. Oh zut, ça a mis plein d'eau. Bon, tant pis, on marquera ailleurs. Un 24. À gogo, c'est bon aussi. Génial. Il y en a plusieurs comme ça qu'on va retrouver. Celle qu'on aura mis en cellule J3, tu sais, pour faire le couvert. Le bar. C'est beau, hein? T'entends? Réserve par contre. Ouais, je la referme.
tombe du barrois, hein, tu sais, c'est les couvains avec un trou. D'accord ? Ouais. Bah, sous la première, oui. Il y avait des œufs, des larves et tout. Ouais. Papa, tu l'as pas vérifié celle-là? Ouais. Plus de rennes.
quoi? Ouais. Ouais, j'ai plus de rennes. Thank you.
Non, ça a l'air d'être les ruches, les abeilles de la ruche. Et tu cherches la reine? Ouais, je cherchais, je suis à deux tours. Ah ouais? Mais toi, t'as des raisons, c'est bon. Et quand t'as ouvert, il y avait une grappe d'abeilles quand même? Bah, il y avait un petit village de pommiers. J'ai pas vu de. C'est déjà de la réponse. Par contre, elle a bien fait des raisons là. Pas trop loin. On peut introduire une reine alors. Non, elle est pas agressive, c'est ça qu'il est. Ouais, ça se trouve, il y a une reine. Ça se trouve, elle se tue la reine. Si on l'introduit, elle connaît déjà une. Mais ouais, elle est pas con. Oui, il y a rien. Il y a un mâle. Est-ce qu'on essaierait d'introduire une reine pour voir? Je pense en juillet que j'ai mis les signes du froid. Donc un mois après août, donc là forcément elle a une reine qui a pondu. Parce que sinon il n'y aurait déjà plus d'abeilles, ça serait vraiment, je crois pas. Je peux regarder la date sur le froid de quand on a mis la signe du froid. On va calculer ensemble. Alors, 17. 19 juillet, c'est le J3. Il reste 10 jours pour qu'elle naisse. Donc 17, t'as dit? Non, en fait, elle est morte le 19. Le 30 juillet. Donc 30 juillet, il reste 10 jours pour qu'elle naisse. Donc ça fait le 10 août. 10 août, elle naît. Il est pour un mois après concombre. Ça fait le 10 septembre. Ça fait un mois, là. Quel bon. Non, bah alors ça n'a pas marché, là. Normalement, elles auraient dû toutes mourir déjà. C'est des délices. Oui. Je me demandais si c'était des pillards. Non, c'est propre. Ok, on va la mettre côté et puis on va essayer de nous proposer une reine. Il y a encore des reines ou... Bah ouais, il y a tous les moufs là-haut. Bon, bah, tu la refermes, tu resserres. Ça, c'est le dernier miel où il y a du dernier tas de miel. Et après, tu mets la partie derrière. Et des fois, des cadres qui sont sans vide. Ouais, bah, tu les déjà ouais, c'est cool, hein. Tu mets un peu de gros. Ouais.
abandonnée celle-là. Leur laisser dans le nourrisson pour les tomber. Tout ça c'est bourdonné. Et celle-là, il n'y a pas de reine. Oui. Du coup, ça aurait quasiment split toutes. Ouais, ok. Donc celle-là, on la secourra en fin de journée. D'accord. Parce que là, pour Barois, c'est pas bon aussi. Il y a des bonnes réserves de miel? Bah, c'est que du miel presque. Ah, comme ça, on va pouvoir le donner. On en a là quoi. Je prends le premier par exemple. Parce que là de toute façon elle est bourdonneuse donc du coup on va pas la garder. Donc du coup ça nous fait, donc tu montreras qu'elle est bourdonnée, mmh. Comme ça on viendra servir en table de miel. Il faut pas que tu leur enlèves des réserves, Charlie. Tu enlèves les cadres qui sont secs, vides, d'accord? Fais gaffe, il y a plein d'abeilles. Prends ta caméra. Tu vois, sinon tu vas les empêcher d'avoir à manger pour l'hiver. Ouais. L'idée, c'est d'enlever les cadres qui sont secs, qui sont vides, mais s'il y en a qui ont du miel, tu les mets de l'autre côté de la porte. D'accord? Ouais. Alors, c'est laquelle, la bourdonneuse? Celle-là. Et là, on l'a marqué cette reine? Oui, on l'avait pas. Ah oui, putain, c'est trop bien. On est le 0.3. On est calme. Et donc là, on va mettre un signal. Pas un pavé, quelque chose. Il n'y avait pas un pavé. Non. 0.3. T'en es où, Charles? T'en es à quelle rouge? T'as fini celle-là? Peut-être celle-là.